Ici, c'est 3 jours. Ça montre vraiment un visage. En horloge. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kipré Joujoua. C'est l'essai. Tu viens d'où? Je viens d'ici. D'ici, à quel village d'ici? Moussé Gouboua, Karaka. Tu es de quelle famille là-bas? Tu es de quelle famille? La famille Kipré. Ok. Tu es à Divo ici, pourquoi? Je suis venu pour me délivrer. Tu es sûr que tu es venu te faire délivrer? Oui. De quoi? De ma maladie. Quelle est la maladie tu as? Je t'écoute, hein. Tu as quelle maladie? Maladie des fissures. Des fissures, et puis quoi encore? Et puis la toux. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. La toux. Et puis il n'y a pas autre chose. Si. Attends, attends. Il y a quoi? Il y a quoi? Et puis, folie. Folie. Folie, elle est venue comment? Un jour, j'étais là. J'étais là. Et puis, c'est là, ils sont allés chercher l'homme pour me piquer. Monsieur, monsieur, on parle de sorcellerie. Vous êtes sorcier ou n'êtes pas sorcier? Oui. Hmm? Je suis sorcier. Tu es sorcier? Oui. Pour nous, c'est une maladie. Vous n'êtes pas parlé de cette maladie. Pourquoi? On m'a dit. Écoutez-moi parler. Je ne vais pas rentrer trop dans vos débats et tout ça. Parce que vous êtes conscient, je vous ai posé les questions propres, vous avez bien répondu. Vous savez d'où vous venez, vous connaissez votre nom, vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous avez bien dit que vous êtes là pour vous faire délivrer. Et est-ce que vous êtes sorcier ou pas? Si. Ok. Pour nous, la sorcellerie est une maladie. Comme toi, tu ne vois pas ça comme une maladie, pour nous, c'est une maladie. Donc, en principe, tu devais énumérer ça, parler de ça. Tu es malade de la sorcellerie, tu as ça? Tu as ça? Là. Tu as la sorcellerie? Tu as ça? Oui. Tu ne n'iras pas ça demain? Non. Ok. Devant tout le monde, tu n'iras pas ça demain? Non. Est-ce que c'est moi qui t'accuse ou toi-même tu sais que tu es sorcier? Tu es sorcier, tu reconnais? Oui. Ok. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné? Qui t'a donné sorcellerie? Où m'es-tu né avec? Qui m'a donné? C'est Pierre Lago. Lago. Tu avais quel âge quand tu donnes la sorcellerie? J'étais en 53. Tu avais 53 ans? Tu avais 53 ans? 3 ans. Quand il t'a donné la sorcellerie? Comment il t'a donné ça? Il m'a appris à voler. À voler. Ça veut dire quoi? Il m'a appris à voler les herbes, les souris. Je t'apprends à s'envoler. Oui. Toi, tu es oiseau maintenant. Oui. On t'entraîne pour t'envoler. Oui. Et quand il est venu t'apprendre à t'envoler, là, toi, t'as dit quoi? Quand il m'a appris à s'envoler. C'est ça, lui. C'est un rêve, hein? Mais c'est un rêve, la sorcellerie. Ouais, c'est vis-à-vis. Oui. Sorcellerie, là, c'est vis-à-vis. Un rêve. Ah, c'est pas un rêve pour faire sorcellerie? Non. C'est pas un rêve pour faire sorcellerie? Si. Alors, quand il est venu t'apprendre pour s'envoler, là, toi, tu as dit quoi? Moi, tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, donc il t'a donné ça? Il m'a donné. Il t'a donné. Quand il t'a donné là, tu as tué qui? Quand il m'a donné. C'est ce j'ai tué Sabat. Sabat, c'est qui? Sabat, c'est une sœur. Comment tu l'as tué? Allons-y. Comment vous l'avez tué? J'ai pris chose. Je lui ai tapé avec coup de pied. Coup de pied? Oui. Comment? C'est pas moi. Comment vous l'avez tapé? Je lui ai tapé avec coup de pied. Et puis elle est morte? Oui. Mais comment ton coup de pied peut tuer quelqu'un? Elle est qui pour toi? Elle est ma sœur. Elle est ta sœur. On est des mêmes pères. Et tu l'as tué, c'est ça? Oui. Tu l'as mangé? Tu l'as transformé en quoi? Transformé en mouton. Et tu as mangé ça? Oui, j'ai mangé. Ok. Tu as tué qui encore? J'ai tué
Aourou. C'est qui Aourou? Aourou, c'est mon deuxième fils. De celui qui vient après Irène, après Lili là. Il est mon deuxième fils. Tu as tué tes soeurs avant de tuer tes enfants ou bien tu as tué tes enfants avant de tuer tes soeurs? Ce sont mes soeurs là, qui d'abord. Étaient devant. D'abord, d'accord. Donc quand tu as tué Sabah, c'était ta soeur. La deuxième, là, c'est qui? C'est Henriette. Ok. Henriette, lui, il est mort en même temps qu'Aourou là. Henriette, c'est ta soeur. Et Adèle, c'est qui? Adèle. Adèle, lui, c'est mon fils. Adèle, c'est ma fille. Donc Henriette l'a tué. Tu as tué Henriette. Comment tu as tué Henriette? Henriette, je lui ai fait la chose gazelle. Ça c'est la transformation, tu l'as transformé en gazelle. Oui. Donc comment tu l'as tué? Comment tu l'as tué? L'autre, tu dis, t'as donné un coup de pied. Ok, c'est ce qu'il t'a dit? Oui. Maintenant, tu l'as transformé en mouton pour la manger. Maintenant, toi, tu dis, la transformé en gazelle. Comment tu l'as tué pour la transformer en gazelle? Comment j'ai fait? Oui. Pourquoi tu l'as pas tué? Si, voilà. Elle est morte. Elle est morte, amène-toi à Kourou. Non, comment tu l'as tuée? C'est des questions très simples. Hein? C'est toi qui dis que tu l'as tuée. Donc comment tu l'as tuée? Tu l'as tuée? Comment je te force pour parler? Il n'y a qu'à m'expliquer en bêté. Ah ah, bien. C'est pas lui, c'est pas tout. Vous croyez à ce qu'il entend le dire? Ça vous demande. Vous croyez? Vous voyez, la dernière fois, je suis parti à Issia, c'est devenu tout un problème à la famille. Le prophète est venu, c'est devenu un problème. Vous croyez à ce qu'il entend le dire? Il dit d'expliquer en bêté. Henriette, là, comment il l'a tué? Arrête. 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 Il est là. La troisième victime. Tana. Adèle. Adèle, c'est qui? Ta fille. C'est ma fille. Comment tu l'as tué? Adèle. Mon mari m'a pas guisé. Oh, j'ai oublié ça. Montre-moi. Il a tapé. Elle est censée être pile à taper dans son ventre. En sorcellerie. En sorcellerie. À l'accouchement. Elle est morte. Elle a accouché, puis elle est morte après. Allons-y. Adèle, t'as tué qui? Adèle, Irène. Irène, Sarbaron. Comment t'as tué Irène? Irène. Irène. Sarbaron. Yougoulou, un. Mon bourgue, ma pas. Il dit la tape.
son cou, sur sa nuque. Ah, il précise très bien. Non, c'est important ce qu'il dit. Parce que depuis quand tu as commencé à traduire en BT, ça va vite. C'est important. Il est libre. Donc, il dit qu'il a fait quoi? Il faut répéter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va la tuer. Non, tu l'as tué comment? Il a transformé en quoi pour manger? C'est quoi ça veut dire? Mouton. Ah, mouton. Okay. Il y a qui encore? Aoulou. Comment t'as-tu Aoulou? S'il vous plaît, je suis en train de faire. Attends, comment t'as fait? T'as attrapé ses cheveux. Hein? Tu t'as tapé sa tête. Il est mort. Il est quitte par la douleur. Il est mon deuxième fils. Bon, tu l'as tué. Et pourquoi? Sorcellerie quoi? C'est comme ça. C'est comme ça on fait. C'est comme ça. Personne ne vous a. Il t'a rien fait puis tu le tues, c'est comme ça là-bas. Non. C'est-à-dire, lui il me donnait le coup de la main. Il me donnait le coup de la main. Il m'avait envoyé. Une fois, 200 000 francs. Ah, donc quand quelqu'un t'aide là, tu le tues. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'a donné une fois 200 000. Pour faire plantation et via. D'accord, il t'a donné 200 000 francs. À Oulu là, tu l'as tué. Hein? Comment tu trouves ça? Quelqu'un qui te donne 200 000 francs, et puis tu le tues. C'est pas bon, non? Non. Tu as gâté qui encore? J'ai gâté Lily. Comment ça? Lily. Faut expliquer. Lily, je l'ai envoyé maladie. Faut expliquer. Comment t'as envoyé maladie à Lily? Elle était où pour t'envoyer maladie? Elle était ici même. Avant qu'elle va en France. Elle t'a donné maladie. Comment? Maux de ventre. Et puis, chose. Enfin, mot de tête, tout ça là. Comment tu as donné? C'est ça, je vais expliquer. C'est fini. Ah là là, en camp, ça n'est dit bien. Ça, je zonam. Aoulou là, tu dis que tu as attrapé ses cheveux, tu l'as tué. Ça, tu as bien expliqué. Maintenant, tu as donné maladie comment? J'ai donné maladie. Oh, Mouné. Oh, français, Mouné. Oh, Niekini.
Calme, tiens. Oui, oui. Oh, prends tes moulins, on est qui. Il n'y a pas de au revoir. Il dit quoi? Elle t'a pas dit au revoir. T'as l'air donné quoi? C'est de venir te dire au revoir, t'as l'air donné comment? Donc c'est pour ça que t'as donné la maladie. Je savais. Quel? Si il m'avait dit au revoir, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est partie en France. Elle est partie en cachette. Elle est partie en cachette. C'est pour ça que t'as donné maladie. Hein? C'est ça? Il dit que t'as la grande maladie pour qu'elle souffre là-bas. Elle souffre là-bas, on n'a qu'à souffrir. C'est ça? T'as tout, je demande. C'est ça que t'as donné maladie pour qu'elle souffre en France. Mais là, elle est en train de mourir, c'est pour ça que je suis parti à Issia. Donc quand tu l'as donné maladie, tu l'as livré, tu l'as mis en jeu après. Je l'ai livré. Quand vous êtes mort là, il est venu. Ah d'accord, tu l'as d'abord donné une maladie. Elle souffrait de la maladie. Maintenant, quand Aoulou est mort, qu'elle est venue, c'est là que tu l'as mis en jeu, tu l'as livré. C'est ça. C'est ça. Bah, mon elle était d'abord. Non, non, non. Faut pas le forcer à parler. Il est libre de dire oui comme non. Non, 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 il est libre. Faut pas même dire quelque chose. Il est libre de reconnaître comme ne pas reconnaître. Il est libre. C'est pas une pression. Il ne mettra pas la pression. Il est libre de dire oui. Il faut qu'il nous explique clairement. Pour ne pas qu'on lui dise qu'on a mis sous une pression. Sinon, il est lucide. Ce qu'il explique, c'est clair. D'abord, il a eu une maladie, c'est ça? Ouvrez la bouche, parlez. Ça donne d'abord une maladie. Quand parce que tu n'as pas dit au revoir, tu lui as donné une maladie. Elle est partie en France. Donc, elle souffrait là-bas. Quand ton fils, son frère est mort, que ton fils, quand elle est venue au funérailles, c'est là même que tu l'as livré. Il faut expliquer un peu. Oui, j'ai dit, c'est moi-même qui a dit. Il m'a pas forcé. Il m'a pas forcé de dire ça. C'est ce que tu as fait là que tu es en train de dire. C'est ça? C'est ça? Monsieur, oui. C'est ce que vous avez fait que vous êtes en train de dire. C'est ça? Ok, maintenant on explique Lily là, on explique ça. Quand elle est venue là, de France là, que son frère est mort là, c'est là que tu as livré Lily. Oui, oui. Voilà. Comment? C'est là que tu l'as attrapé. Ah, sorcellerie. Voilà. Comment tu as fait? Pour la livrer, tu as fait quoi? Ça, c'est vraiment que tu as livré. Un gars de paquet, un gars de ma boue en 15 ans. Ça, c'est vraiment que tu as livré. Bon, maman, bon, pas ajouter à côté à côté. Les petits trucs en téléphone. Voilà, je comprends le tien. Je t'écoute. Comment tu l'as livré? Je l'ai livré comme ça. Explique-moi un petit détail. Est-ce que quelqu'un peut pas être là quand tu l'as livré comme ça? Tu as bien expliqué que comme elle ne t'a pas dit au revoir, c'est ça qui t'a donné maladie à Lily. Et puis effectivement, elle souffrait en France, elle souffre, elle te dit que je suis maladie. Maintenant pour la tuer, quand elle est venue au funérail de ton fils, qui est son frère, c'est là que tu l'as livré, c'est ça? Il y avait une bouche pour répondre. Répondez à la bouche. Oui. Voilà. Maintenant vous répondez. Comment vous l'avez livré? Il est livré. En tant que. Pour expliquer un bêtis. Tu as dit que tu allais parler matin. Hein? Comment l'a livré? Ça a dit que sans eux, non. Sans eux, non. Sans eux, non. Sans eux, non. Ouais, moi, livré, non. Voilà, non. Bon, au misère. On est sans deux de nom, ça a livré du violon. Ça a livré un zoom, maman, ne pas qu'elle soit sans deux de nom. Non, tu expliques pas bien. Comment il a pris pour la livrer? Ah, on a sans deux de nom, il a livré. Au-dessus du coca, on a livré sans deux de nom. Quand il livrait, ça dit j'ai une livraison, ça dit je prends quelque chose et je vais donner à quelqu'un.
tu l'as récupéré, tu as fait comment pour prendre, tu dis, tenez. Ils sont dit, ouvrez, donnez. Il dit, l'attraper son âme. Comment? Il faut bien expliquer. Ouais, c'est un commandement, on a juste comme. C'est un commandement. C'est toi qui as dit. Ça te soigne, hein? Tu entends d'être libéré comme ça. C'est un coca no zizuko. 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 Fallait livrer. On dit à explique cette petite chose. Que voilà, c'est mon enfant. T'as quoi, 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 du commun. Du quoi, 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 quoi. On a livré, livré. Mm-hmm. Et quand il est livré, là, ça veut dire que tu as pris, puis tu allais donner. On a livré, ça veut dire que ça n'a pas livré. Bon. Bravo, Joël. Il a transformé en bélier. Mouton. C'est pas bélier. Un mouton. Vas-y, mon nom, blabla, embêter là. Embêter de derrière, ça veut dire mouton, bélier. Tu l'as transformé en mouton. Mais comment tu as pris son âme? Tu allais livrer. C'est vrai que tu l'as transformé en mouton. Mais comment tu as réussi à prendre son âme? Puisque, non, tu n'arrivais pas à prendre son âme en France, c'est ça? Là-bas, tu n'arrivais pas à aller prendre son âme, c'est ça? Faut expliquer. Mara, maintenant, le zuzu kokoba. Moi, que la France, c'est maintenant le zuzu kokoba. C'est ici. C'est ici que tu as attrapé. Là, de cabane. Elle était où pour t'attraper? Là, elle est dans le jeu du coyac. Dans la chambre. Maintenant, tu expliques bien dans la chambre. Et puis, toi, tu as fait comment pour aller prendre? Elle t'a pas vu quand tu prenais de l'âme. Elle dormait. Oui, ma salom, maïe, ma voilà, je dirais tout le monde. Ma gavana. Elle dit, c'est au salon. Pour tout bien, jugement. Il a pris en même temps l'âme. Il a eu un jugement après, quand ton frère est mort. Elle s'est mêlée aussi, elle a parlé mal. Ou même elle était trop dure avec le vieux. Elle n'était pas dit. Non, mais quand même, elle a dit des choses. Non, dis-moi. C'est-à-dire, quand il fait des jugements, ça dit que c'est demain, elle a donné des choses, elle s'est sentie plutôt dure. Non, le vieux a dit, bon, quoi, viens te gérer longtemps. Tu vois là? Oh, il y a ça. Le vieux a montré qu'il est au-dessus, il est fort. Tu as venu menacer un sorcier, il me dit, non, toi, t'as qu'à pouvoir. Le vieux dit, bon, là, même, je te gère en même temps. Petite maladie était donnée, là. Tu as bouche pour ça? Paf! Puis tu l'as donné à qui? Moi, je dis du quoi? C'est ça, là. C'est là, on va danser. Moi, je dis du quoi? C'est toi-même qui l'allais la tuer. C'est toi-même où tu as livré à quelqu'un. Ou bien d'abord, quoi? Ou bien, quand même, moi, je dis du quoi? Ou bien, tu as l'attaché quelque part. Il a attrapé son âme, il a donné aux gens qui étaient au funérail.
Toi, la couleur, pour dire non des gens, il ne va jamais dire. Ah. Lui, il va te dire non de quelqu'un. Non. C'est là, là même, là, on va plus danser comme ça, bâtir. Donc, ils sont venus au funérailles, avec sorcier pas mieux. Demain. C'est la partie où le sorcier ne parle pas. Hein? Il ne va donc, jamais vous dire, bon, c'est donné à ça. Non, 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 non. Vous m'assurez à ma lupe, là. Hein? Vous m'assurez à ma lupe. Nous, on a dit. Oui, mais tu as donné quand même. Oui, c'est comme ça, je vous ai dit. Je ne peux pas lui là. Mais je ne connais pas. C'est comme ça, non, c'est comme ça, c'est une loi chez eux. C'est une loi chez eux, on ne dit pas, on ne dénonce pas son camarade. Lui, c'est ça. On ne dénonce pas son camarade. Sinon, c'est pas un idiot, il est très, il sait ce qu'il veut. Il a bien précisé, s'expliquer. C'est pas moi qui ai mis la parole à la bouche. Effectivement, on dit qu'il y a une réunion après les funérailles. Donc la fille a pris son âme. Et là, il sait. Il sait. Et puis, vous avez tué. Ils ont tué. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué. Pourquoi? Comment tu... Qu'est-ce que tu en sais? Ce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu donnes moult bœuf à un poulet, à quelqu'un qui a faim, il ne peut pas manger ça. Hein? Si toi-même tu as faim, tu donnes un mouton, tu vas manger. Tu as suivi ça. Donc tu as donné âme là pour qu'il suive âme là. Hein? Tu n'as pas vu les chiens, on donne viande, puis ils ne mangent pas. On va l'amener chez le vétérinaire. C'est que le chien est malade. Ça le fait rire. Sorcier qui aime viande comme ça là. Sorcier qui aime viande, tu as donné à quelqu'un, puis ils n'ont pas encore tué. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est malade, c'est que le sorcier est malade. Et la vente ballonnée. Donc, tu as donné, c'est ça? Hein? Oui. Puis, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas morte. Ah, non, ça, c'est ça. Faut pas arrêter ça. Elle est en train de mourir. Ta Lily, là. Le jour, je l'ai vue sur le Skype, elle était morte. C'est-à-dire, ses jours étaient comptés. C'était fini pour elle. Ils ont tout fait, toute la médecine possible en France, zéro. Maintenant, ils ont fait le recours spirituel. C'est moi qui ai regardé. 3 jours, le 4e jour, c'est levé. Je vous ai arraché l'âme. Voilà. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je suis parti au village. Là-bas. Quand je suis parti au village, là, je suis allé te gérer. J'ai parlé à la terre pour que tout ce qui reste là revienne. Voilà. Sinon, elle était déjà morte. Du moins, vous l'avez tuée. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Voilà. C'est pas là? Alors. Tu n'entends pas de parler. Elle était morte, ta Lily là. Quand on livre quelqu'un là, ça veut dire qu'on l'a tué. Tu n'es pas venu comme ça. Donner viande à quelqu'un, puis la personne, le sorcier va se croiser les bras et regarder viande. Lui, il est malade ouvert. Tu as mangé pour lui, il va manger pour toi. Tu as donné la livrée, donc tué, effectivement, elle a été tuée. 3 jours après, quelques temps après, elle était morte. Elle avait plaie partout. Il y avait plaie dans sa bouche, plaie partout. Qui ne pouvait pas être soignée, guérie. Partout plaie. Elle ne pouvait pas manger. C'est le 3e jour, j'ai dit à ta fille. Va me faire quoi que tout le lait, elle a commencé à prendre du lait. Le jour, elle a commencé à prendre du lait, c'est fini. Ça s'accélérait comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça guérit. Elle arrive, elle va venir te dire merci. Je lui ai demandé de venir. Et quoi qu'elle sera là demain, pour venir te dire merci. Sinon, elle vit maintenant. Elle est guérie. C'est pour ça que je suis parti à Issia. Tu as compris? Je suis parti à Issia pour t'arracher son âme. C'est tout. Tu es là, tu sautais, il se voit sortir. Tu t'as arraché Lily. Aujourd'hui, tu sens que tu l'as livré. Tu as vu que son sourire là, c'est pas bon. Hein? Hein? Ça vous, je parle. Oui. Tu as vu que son sourire n'est pas bon. D'accord. Hein? Oui. C'est pas bon, non? Oui. Ça t'a trompé bon. Jusqu'à fatiguer. Comment ton fils t'envoie 200 000 francs pour faire chant de veillard? C'est celui-là que tu manges. Gugnotia yoronu, Gugnotia yoronu, Tia yoronu, Gugnotia yoronu, Elie la
yolo nuro eli e la go e kanisa sa puyo ti a yolo ti a yolo le puyo ti a yolo puyo ti a yolo nuro oje wa la go e kanisa sa puyo ti a yolo ti a yolo Tu vois comme le diable t'a blagué. Hmm? Le jour où tu as pris la sorcellerie là, l'ago Pierre, c'est ça non? C'est ça? Le jour où tu as donné sa sorcellerie là, il t'a mis en danger. C'est ce jour-là, il a battu toute ta vie. T'as compris? Oui. C'est le jour où t'as, il faut t'entraîner, t'entraîner là. Ce jour-là, il a battu ta vie. Et tu avais ça au lieu d'approcher les gens pour qu'on t'aide. Nous là, on ne va pas te frapper. On ne peut pas te frapper parce que on comprend. Tu as dit qu'on t'a donné. Juste on m'entend t'annuler ça. Parce que tant que ça serait là, tu vas voir tes enfants en tant que cabri, tu vas les voir en mouton et tu ne feras que les gâter. Parce que ce qui est en toi gâte. Tu veux pas, ça va gâter. Parce que ce n'est pas un bon esprit. Même si tu veux te maîtriser, l'esprit qui est en toi là va vouloir gâter. Tu comprends? C'est pour cela que maintenant, là, c'est la vie de Dieu. Voilà, c'est la vie de Dieu. Il fallait que je parte, forcément arrive chez toi là-bas, là, pour te désarmer. Je t'ai terrassé, hein? Toi, tu voyais ça en comédie. Je t'ai attaché que je suis arrivé là-bas. Je suis descendu, j'ai commencé à parler. Et je savais que tu allais un jour venir devant moi. J'étais trop sûr de ça. Tes parents parlaient, il est venu, il dit que leur parent est sorcier, il n'a pas accusé, il n'a pas attrapé, c'est resté comme ça. Moi, je savais qu'un jour, tu allais marcher, être devant moi comme ça. Gouignon, tiens, yolo, gouignon, tiens, yolo, qui a yolo, gouignon, tiens, 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 yolo, tiens, yolo, gouignon, le diable t'a blagué. Tu as de beaux enfants. Des enfants intelligents. Ils sont bien. Et Satan t'a blagué. Tu as compris? On va t'annuler ton esprit. Pour que désormais, tes enfants puissent te voir. Il faut que tu meurs dignement. T'as compris? Si tu n'étais pas venu ici, celui-même qui allait faire tes funérailles, il allait suivre. Heureusement que dans le plan de Dieu, tu es arrivé ici. Sinon, lui, celui qui allait organiser tes funérailles, il partait. Quand il finit tes funérailles, tout ça, lui-même s'en va et t'accompagne. C'est cette action-là qu'il fait sur toi. Et si tu n'étais pas vraiment sorcier, ça n'est même pas arrivé. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Je suis allé dans ta maison, c'est la source. Moi, je ne prie pas. Si je sais que c'est un sorcier qui a Zoin, à Dieukwe, à Issia, je m'en vais vers lui. Et puis, il y a confrontation spirituelle. Je suis là-bas, bloquer tout. Bloquer tout. Donc, tu ne te retrouves pas. C'est maintenant que tu vas te retrouver. Gouignon tia yolo, gouignon tia yolo, tia yolo, gouignon 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 tia yolo, tia yolo, gouignon tia yolo, gouignon tia yolo, ceux qui sont dans ta confrérie là, quand on va finir, toi, ils vont tomber. Tu vas commencer à parler. Gouignon tia yolo, gouignon tia yolo, tia yolo, gouignon tia yolo, gouignon tia yolo. C'est l'enfant de qui ça? Elle est avec moi. Elle n'est pas délivrée.
Toute ta langue, ta tête est venue comme langue. Mais ça a donné langue. Sa tête est une langue. Des laps, ça comme ça. Je veux la langue, je veux le tronc, mais la langue. Sa grand-mère qui me l'a demandé. Je ne t'ai pas demandé qui a fait quoi. Hmm? Tu veux quitter sorcellerie? Tu veux laisser? Tu veux laisser? Tu es sorcière? Hein? Tu es sorcière? Tu tues? Tu gâtes? Eli ela gone maye ma dozo pata pulo maya o